L'ancienne première dame de la République, Martine Moïse, a laissé tôt ce matin le pays afin de se rendre aux États-Unis en façon pour lui suivre restreintement que l'été commencé avant que l'été rentre dans le pays pour te venir dans l'enterrement Marily, président Jovenel Moïse. Secteur démocratique, jeudi, a rendu un dernier hommage ensemble avec victime massacre d'Elma 32. Ariel Henry, lui-même, Boko Tepal, qui est installé comme ministre Affaires sociales et nommé un chef cabinet qui c'est Paul Harry Victor. Jodi a la encore une autre fois premier conseil des ministres lui-même li tenu tôt ce matin, yon façon pour te ka discuter sous quelques dispositions urgentes qui supposé prendre yon façon pour mener pays a sous yon l'autre rail. En pile katouche commence tiré depuis hier soir pour arriver journée mercredi 28 juillet 2021 dans Cité Soleil. C'est entre autres information ça que nous porter pour jodi a. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la rubrique information ça. Ou même qui fait que tu veux sur chaîne, n'a mando pour abonner. Et ou même qui te get abonné déjà, n'a mando pour continuer like, commenter, partager. Yon façon pour qu'aille nous bousquer puis bon information pour toujours. Pas oublier, si vous abonnez, faut que cliquez sur cloche notification. Yon façon pour pas perdre pièce l'autre vidéo qui gagne pour venir là. Jodi a la, et bien secteur démocratique a décidé de rendre yon dernier hommage ensemble avec victime d'Elma 32. N'a pas rappelé que jusqu'à présent, jodi a la arrêté on green jou pour faire yon mois depuis que moun sa yon même yon en mog et met mog la pour que j'en décide remettre parent yon kor yon à moins que yon tabayo 75 000 goud pour chaque green kor. L'état haïtien li même qui blie penché sous kol sa, et bien jodi a la secteur démocratique. Pratiquement lui-même, lui fait une manifestation, lui fait une marche, une façon pour le cas rappeler l'État haïtien que moun sa yo qui victime nan massacre d'Elma 32 a, yo pat nan anyen, fok yo manye commencer prend responsabilité. Notamment, nous avons présence M. André Michel, ensemble avec quelques autres moun qui fait partie du secteur démocratique et populaire. N'a pas le temps de mettre André Michel dans une déclaration et puis n'a pas tout. Nous avons moun ka pourri pour rentrer dans le gouvernement de plein gauche, pour aller chercher avantage personnel, ou même nous là pour nous dire. Revendication peuple à nous, pas bien oublié. Il faut que victime d'Elma 32 rejoigne justice. Victime massacre la Saline, Belle et Cité Soleil, pour rejoindre justice. Il faut que le procès peut trop arriver fait. Pas qu'il n'y a aucune élection qui est capable de faire dans la fin année 2021. Pour une élection, il faut qu'on gouvernement consensus. Pour une élection, il faut qu'on conseil électoral. Pour une élection, il faut qu'on sécurité. Pour une élection, il faut que tout le monde en confiance. Nous voulons réaffirmer volonté nous. Nous avons le bon côté peuple là, pour continuer côté revendication peuple là. Peuple là pour moi, pas jamais perdu bataille, pas jamais perdu bataille. Nous toujours passer avec victimes apprêtées. Que nous pensons à tout, toutes victimes la salée. Antonio Dorval, Jérôme Saint-Hilaire, Antoine Tuler, Evelyne Sincère, Jérôme Charles. Nous songeons toutes qui apprêtées dans l'esprit. Nous avons continué la bataille pour jouer justice. Nous avons continué la bataille pour nous changer pour nous sur la vie du peuple. Parce que je dis, on dit que les gens qui vendent toutes les richesses pays, et tout le peuple dans nos airs, pas de l'école, pas de l'hôpital, pas de manger, c'est pas ça qui nous change. Et c'est ça qui fait nous faire activité ça ensemble avec toute organisation progressiste. La bataille pour le changement réel dans le pays d'Haïti. Compétis, il ne faut pas reconnaître Ariel Henry comme premier ministre. Compétis, situation exceptionnelle. Compétis, il n'y a pas de rapport politique, il n'y a pas capable de gouverner. Il n'y a pas capable de diriger sans président. Parce que le roi dans le pays a 10 fois plus de Ariel Henry, c'est Blanc qui mettait. Ariel Henry, c'est PHTK. Ariel Henry, c'est Moun qui était toujours collaboré à PHTK qui mettait. Nous-mêmes, nous ne pas reconnaître le gouvernement ça. Parce que pour un gouvernement, il faut qu'on accord politique, il faut qu'on consensus politique. C'est tout secteur qui nous mettait le gouvernement ensemble. Pas de aucun blanc qui a mis dans le gouvernement. En pile, voix bébé qui dit que c'est l'envers, qui est le gouvernement ça va faire. Bon, nous-mêmes, nous disons qu'on consensus. Consensus à nos forces progressistes. Et c'est un consensus là pour nous choisir président. Pour nous, pour qu'on président, pour qu'on premier ministre, pour qu'on ministre, on vide dans tête d'État cette position, c'est pour démocratie et populaire. Je vais passer la parole à Guy Neumann, qui a
Didier Benel, ensemble avec tout Daryl Balthazar, yo même tout, yo pat rete en silence, puisque ça qui a passé à là, li vraiment révoltant. Nous kawè que M. André Michel fait connait que li pa connait gouvernement Ariel Henry tout autant pa gen un consensus politique qui joine yo façon pour tout secteur yo même yo ka participer nan gouvernement si la. Tankou Daryl Balthazar ensemble avec Benel Didier yo fait connait que yo pat installé Mécène comme président mais yo te désigné Mécène comme président et jusqu'à présent là yo pa reconnaître pièce gouvernement Ariel Henry, qui c'est un prolongement du PHTK. N'a pas suivre et puis n'a pas tourné. Nous venons pour nous capables de nous commémorer mémoire Mounsayo. Juste pour nous capables de tout. Sans moi, double monde nous, double canoniser. On est dans le monde, nous sommes dans le monde. Pour nous dire ça, on ne va pas reconnaître. Nous même en Haïti, nous reconnaître un criminel, un voyou, un dilapidateur, un délégant. Nous ne reconnaître ni comme vous aimiez. Ça fait 106 ans depuis que blanc américain était débarqué là. Et bien c'est une façon pour nous capables de rendre hommage avec ensemble des camarades qui étaient contre bataille, qui étaient contre gourmet, pour bien-être, pour respect de l'amour et pour nous dire tout avec la jeunesse. Ensemble des gens qui sont là aujourd'hui, l'autre dit parlementaire, ou dit voyou, ou dit délinquant, l'autre dit ministre, ou dit kidnappé, ou dit délinquant, ou dit voyou. Les politiques qui ont pour parler, ils ont doté le pays à droit comme politique. Côté que nous sommes capables de servir, capables de rejoindre un président provisoire et capables de reprendre les revendications de la population, à savoir procès massacre, procès début, procès Petro-Caribé, à savoir transition de rupture, à savoir la mise en place pour capable de retirer la population haïtienne, la misère. La pauvreté extrême que lié en particulier les gens qui sont dans le quartier populaire. Et ça fait d'exhorter pour faire le pressé. Et nous remercions tout le fait que nous avons été supposé qu'on assise. Le fait que nous avons fait événement ça dans Delma 32, nous avons doté de sagesse pour reporter assise pour demain ou pendant le week-end. Et nous exhorter pour aller rapide pour nous capables de doter le pays de un gouvernement provisoire parce que le gouvernement là, nous ne sommes pas contre qui ça dit. Nous connaissons Ariel qui est nommé, mais reste pour nous, nous ne connaissons pas sur quelle base Ariel choisit, parce que pas aucun accord qui mette Mounsayo dans le pouvoir public du pays d'Haïti. Normalement, nous avons remarqué que le secteur démocratique et populaire lui-même, il a toujours été sous décision, sous ça qui a été ensemble avec réalisation élection ou du moins ça mettait Ariel Henry comme premier ministre dans tête pays d'Haïti, puisque d'après eux-mêmes, c'est une décision de l'international et international lui-même, il n'a pas gagné pièce intérêt pour y entrer actuellement là. Nan koze ki a passé nan pays d'Haïti. Et mi pays États-Unis li même li te voye yon envoyé spécial, yon façon pou te vin fè des rencontres ensemble avec tout acteur qui nan société civile. Daniel Foot li même premier visite li getan bouclé déjà. Il était rencontré ministre Affaires étrangères Claude Joseph, ministre Justice Rockefeller Vincent, il était rencontré normalement Hélène Lalim, il était rencontré tout DG Léon Charles et surtout président tiers Sénat qui c'est Joseph Lambert. Il prend en compte tout ça qui discutait durant rencontre Silao, yon façon pour lika rapporter le aux États-Unis et retourner bientôt pour lika vin proposer quelques solutions sous ça qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti. Premier ministre Ariel Henry est aussi le ministre des Affaires sociales et du Travail en Haïti. Josiala, yo tap installé ministre là et il était joué un baptême de feu puisque contractuel ministère Travail et Social là, eh bien, t'as fait connaître que exactement là, faut Ariel Henry tap ramel. N'a pas suivi qui j'en s'attendait devant ministère là et puis n'a pas tourné. Quand on
ancien côté là. Côté de la République, c'est pas hier là, mais il y a eu deux fois. Il y a eu 18 pas touché. Puis il n'y a pas gagné l'école. Mais il y a eu une nouvelle République de télévision, Normalement, nous avons remarqué que Mounsaro même yo vraiment fâché pour installation Ariel Henry ou qu'on a ici paprato immédiatement là que ou pral installer faut yo bo exactement qui ça qui supposé passer, qui ça qui te kon passer, qui pas supposé continuer passer. Normalement là après installation te fin fait, eh bien Ariel Henry lui même te tout présenté Paul Harry Voltaire comme chef cabinet. N'a pas suivre conférence de presse et puis n'a pas tourné. Donc nous venons ici dans le ministère ça pour nous dire nous allons travailler, nous allons tous ces manches, nous allons être présents, nous allons faire service. Les gens qui sont plus pauvres, nous ne pouvons pas prendre un sac dans la bouche en plus. Le gouvernement ça va faire tout ça capable pour combattre la corruption. Pour que le nous baille en bagaille, que le bagaille arrive à terre, que le bagaille est en l'air. Nous avons en pile responsabilité, c'est aussi, en particulier, M. le Premier ministre et en même temps, ministre des Affaires sociales. La difficile pour nous présent au jour le jour dans le ministère des Affaires sociales. C'est peut-être ça, moi j'ai choisi un chef de cabinet. Un monde que je connais, que le monde qui est plus démuni, ses préoccupations parlent. Un monde qui travaille avec moi pendant des années et que nous avons fait confiance. Que nous capable de présence avec nous au quotidien. Tout ça l'a dit nous, c'est à nous non pas. Et tout ça l'a fait nous, c'est à nous non pas moins et me fait totalement confiance. Maintenant, nous avons un bonheur pour installer Paul Harry Voltaire. C'est un homme de conscience, c'est un homme d'engagement et un monde qui me fait totalement confiance. Bienvenue dans le ministère, puisque tu es chef cabinet déjà dans le ministère. Ça. À toi. Excellence Dr. Harry, Premier ministre et ministre des Affaires sociales et du Travail, Monsieur le directeur général du ministère des Affaires sociales, Mesdames, Messieurs les directeurs
fonctionnaires, cadres et employés du ministère. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier Dieu de m'accorder le privilège de servir mon pays à un moment où, à l'échelle planétaire, une crise sanitaire fait rage. Ces mêmes remerciements, je veux bien l'adresser au Premier ministre pour avoir jeté son dévolu sur mon auguste personne à ce poste de confiance et de haute responsabilité. Après avoir prêté mes services pendant plus de 30 ans dans l'administration publique, le devoir m'appelle encore une fois pour mettre mon expérience au service du ministère des Affaires sociales et du travail comme directeur de cabinet. Excellence, je vous promets d'ores et déjà de me conduire comme un serviteur public loyal sous le parapluie de la Constitution, de la loi régissant l'administration centrale de l'État et celle portant organisation et fonctionnement du ministère des Affaires sociales et du travail. Aussi, consacrerai-je toute l'énergie dont je suis capable et je le ferai sans aucun esprit partisan. Je reste persuadé qu'avec le concours inconditionnel de mes collaborateurs, la tâche me sera facile pour un véritable redémarrage de la machine administrative. C'est un défi que j'accepte volontiers. Dysfonctionnel depuis plus de 2 ans, le moment est venu pour remettre la pendule à l'heure. Telle est la tâche principale à laquelle nous allons nous appeler. Il s'avère important, Monsieur le Premier ministre, d'attirer votre attention sur le fait que le ministère, durant ces derniers mois, se trouvait dans l'impossibilité de répondre aux sollicitations des usagers en raison de nombreux actes de brigandage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ministère, ce qui nécessite de profonds et sérieux aménagements au triple point de vue institutionnel, structurel et infrastructurel. Mesdames, Messieurs les fonctionnaires et cadres du ministère, je compte sur votre sens de collaboration et de compréhension sans faille et sans déclin pour trouver des équations nécessaires de manière à remettre le ministère sur pied. Nous avons tous l'obligation de réussir. La solution, on la trouvera ensemble ici, mais pas dans les rues. C'est dans cette voie qu'il faut s'engager. Mettons-nous au travail. Ariel Henry lui-même notamment qui t'a supposé bailler au point de presse après-midi en là, yon façon pour ta bailler plus détails sous ça qui a passé dans le pays. Jodi à la nan matin, premier conseil des ministres lui-même lité lieu, nous ka di premier conseil du gouvernement puisque poko ka gagné conseil des ministres parce que fok président lui-même lita présent et pays d'Haïti li pa gagné président actuellement là. Te gen un gros litige entre Renal Luberis ensemble avec Ariel Henry sous rapporté décret qui gen awe ensemble avec Ani qui c'est agence nationale intelligence. D'après Garibodo, si toutefois agence sa li même te gen mette sous pied président Jovenel Moïse patapka perdu la ville et mais Ariel Henry lui-même li ta avait tourné sous décret si là et Renal Luberis t'a fait comprendre que c'est une violation de l'article 159 de la Constitution de 1987. Si gen yon moun ki pou ta rapporter décret si là, c'est nouveau président qui pral gagner nan tête pays d'Haïti qui donc litige ça lui-même li a continué puisque moun yo même yo pa vle faire un seul yo pa vle gagner on tente yon façon là pou ta avancer ensemble avec pays. Martine Moïse quitte pays à nan matin yon façon là pour la suivre médecin puisque eh bien li poko fin guéri et li quitte pays à ensemble avec toute petite li yo accompagné
de sécurité qui était toujours ensemble avec lui. N'a pas rappelé que Martin Moïse même il a recevoir 3 cartouches 7 juillet 2021 et il était rentré aux États-Unis de façon pour tal subi une opération. Opération s'il a quitté fin fête, il était obligé retourner dans pays là pour il était assister ensemble avec funérailles président Jovenel Moïse et bien matin il obligé retourner pour il cal suivre reste traitement yo pour il cal joindre guérison li. Notamment avant que madame Martine Moïse même li quitte pays a li t'a visité quelques sites que président Jovenel Moïse même soit il était fini déjà ou du moins ça il était commencé yon façon pour il t'a capable faire une évaluation. Depuis hier soir dans du Vivier, gen en pile cartouche jusqu'à présent que nous a parlé à là puisque dans Cité Soleil eh bien cartouche pas suspend tiré et gen quelques docteurs qui a prêlé au secours puisque yo te prend yo en otage. Qui donc zak insécurité yo continue à rapoursuivre chimé yo en dans pays d'Haïti, zak kidnapping yo continue à rapoursuivre chimé yo puisque jusqu'à présent gen des moun yo kidnappé depuis commencement mois juillet qui nan men ravisseur yo ki poko jam di ki quantité de corps ou du moins ki sa yo vle en échange de libération moun si la yo. N'a pas rappelé que Dimitri Erol lui-même li baye yon rapport sur tout ça qui t'est passé 7 juillet 2021. C'est toute information ça que t'ai porté pour aujourd'hui. Merci d'être continuer like, commenter, partager et merci d'être continuer inviter yon famille ou ak yon zami ou rete connecté avec chaîne pour ka gen bon information. Nous bon rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Bye bye.